Vigile plus. La méditation personnelle pour un tête-à-tête avec Dieu. Choisissons de partager. La pratique du bouche à oreille existe encore aujourd'hui, mais sous la forme numérique qu'offrent les réseaux sociaux. Raconter, partager ce qu'on a vu, entendu, vécu, intéresse toujours autant les gens. Certaines célébrités ont des millions de followers sur Twitter, Facebook, Instagram. Des informations fusent de partout. Qu'elles soient postées par des personnes en provenance du monde politique, journalistique, social, économique, religieux. L'essentiel est de rester au taquet pour exister. Ceux qui ont rencontré Jésus n'ont pas seulement partagé l'info, mais ils ont conduit à Jésus d'abord leurs proches afin que ces derniers fassent l'expérience de la rencontre avec leur Messie. Mon ami, que partages-tu sur les différents réseaux ? Si tu as fait ta rencontre avec le Christ, invite aussi un ami, un parent, un voisin, un collègue à le rencontrer. Tu pourrais utiliser les réseaux sociaux pour parler de ta rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, Dieu te parle, appelle, envoie un message à un ami pour lui rappeler que Dieu l'aime. Merci, et à bientôt.